What? Sauté? Regarde ça! Regarde ça! What's up, Timmy? On espère que ça va bien. Parce que nous, ça va super bien. Mm-hmm. Grosse journée aujourd'hui. Mais j'ai les cheveux dans la face. C'est belle, tu t'as les cheveux dans la face. Grosse journée pour Mariana aujourd'hui. Elle ça va fait... faire percer les oreilles. Oui. Puis c'est quelque chose qu'on avait hâte de faire, mais elle a tellement peur. Mariana est très peureuse. Très dramatique, on pourrait dire. Très, Ouais, ben tu sais, elle aime pas ça quand je lui fais des peignures, là, à bas chérie. Elle a mal facilement, dans le sens qu'elle a peur facilement. Ouais. Plus que mal, là. Tu sais, elle est pas. C'est pas une affaire souffrante, mais tu sais. Elle a peur d'avoir mal, puis en tout cas, elle est un petit peu peureuse. Un petit peu pas mal, ça fait penser à quelqu'un. Et là, c'est ça. Aujourd'hui, elle affronte une de ses grandes peurs. Elle a accepté. On y en a parlé, on y a expliqué, puis ça va bien aller. Puis là, elle a accepté aujourd'hui. On est très fiers d'elle. Très fiers d'elle qu'elle affronte ses peurs. Chérie? Oui. Très fiers d'elle. Mm-hmm. C'est une. On est fiers. Oui, non, mais ça a l'air d'être pas grand-chose pour nous, se faire percer les oreilles, mais pour une petite fille de 2 ans. Pour nous, les adultes. Là, pour nous, c'est ça, pour nous, les adultes, ça a l'air vraiment comme banal, puis ça fait pas si mal, ça fait pas... Mais pour une petite fille de 2 ans qui a jamais eu de grosses souffrances, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est des étrangers, c'est... Fait que pour elle, dans sa petite vie de 2 ans, c'est énorme. Ouais. C'est très gros. Mm-hmm. Fait que c'est toute une étape. Outfit of the day. Fait que ça, c'est mon petit outfit. Petit soulier. Fall time. J'aime full ça, j'ai genre... Mais là, il est un peu grand. J'aurais peut-être dû prendre un extra small, mais... Fait que ça, c'est mon chapeau que je mets genre tout le temps. Qu'il faudrait vraiment que je me recommande un nouveau chapeau. Parce que vous devez être tanné de m'avoir avec le même chapeau, mais je l'aime tellement. Puis je le sens comme bon, on dirait qu'il est comme confortable. Fait que je vais, ça vient de chez H&M. H&M, Louis Vuitton, Forever 21. Puis les souliers, je me rappelle plus. Mais regardez comment ils sont beaux. Alors c'est ça, fait que on part pour, faire percer les oreilles de la petite bine pour petite poule. Ça me stresse pour elle, mais ça va bien aller. C'est léger, hein, parce qu'il est comme un peu trop grand en tout cas. Je vais aller essayer de vous prendre un blog post si j'ai le temps, mais comme... Donc, Mariana, est-ce que tu nous montres ton outfit? Mm-hmm. Comment t'es habillée aujourd'hui? Comment t'es habillée? Comment ça? Ouais! Parce que là, j'ai dit que j'allais l'amener après. La couche puis le lait. Recule, fais-nous une twist. Regardez comment c'est beau, c'est sa petite robe. Waouh! Wow. Tu ressembles, c'est-tu à qui? Nana! Oh, finalement, je t'aime! Elle ressemble à Gabi aussi. Oui! Tu ressembles à Gabi dans Toy Story 4. Je t'aime! Donc, c'est parti, on va-tu te faire percer les oreilles? Moi, je suis en train de tout perdre mon chapeau. On va-tu te faire percer les oreilles? Bin? Oui, à moi. À toi. Oui. Ok. C'est bon. Ça. Bébé, un bébé. Il y a les canettes positives. Une petite surprise après. Oui, à moi. Ok. C'est parti. Oui. Ok. Bye. Oh. Es-tu prête, Binette? Oui. Il faut quelque chose, moi. Je me retiens de dire que ça va faire. M à L. Parce que je veux pas qu'elle l'anticipe, mais ça me fait comme de gros temps qu'elle sache pas qu'elle va se faire mal. Hein? Oui, un bébé, Ali.
à trouver un bébé en surprise. Ah, les bébés. Parfait. Ça passe quoi, la petite corée en jaune? La petite corée comme or? Ici. Ah, wow, bah ben oui. On va prendre ça. Oui. La corée en jaune, celle-là. C'est ça. Elle se ferme les yeux comme si elle se fait maquiller, genre. Tu sais, genre, elle fait des beaux yeux, là. Mm-hmm. Elle aime tellement ça, les costumes. Très gentille. Elle se maquille avec le maquillage de maman. Elle se barre bien épais. Ah, faut essayer. C'est ça. C'est un essai qu'on a fait. Tu regardes le miroir là? Oui, j'avais pas vu qu'il y avait un miroir. Tu me fais une Nancy? Deux cadeaux. Deux, 11$. Hey, hey, ça vaut la peine, sérieux? 11$. Nancy, Nancy est en liquidation. On va y prendre. Bon, une heure plus tard, les oreilles gelées. C'est l'heure. D'après moi, ça va bien. Hey, on va te mettre dans la salle avec les fesses. Avec Nancy pour échanger les idées. L'aide de ta maman? Voulez-vous distancer les petits cheveux? Parce que moi, j'en ai pas besoin de tes cheveux. On va rester sur toi. Ça fait pas mal, Marianne. N'inquiète pas, OK? C'est juste... Ça va, on fait une petite pause? On peut prendre un petit pause. Okay. On enlève-tu le reste? OK. Je continue de snapper. C'est très, très bonne pour toi. On prend une petite pause? Tu vas l'avoir, ma mère. Le pire est fait, là. Oh oui! Hein? Je demande quelque chose, regarde! Ça, c'est des petits brillants! Fini! Ça brillote! Fini! Oh, alors là, on a levé le tape et il reste l'intercé. J'étais comme moi, parce que moi, je suis sa mère. Fait que je suis tuée. Je suis constatée. Il faut plus bouger. Un, deux, trois, statue! On bouge plus, OK? Je vais juste faire placer ma tête. Ah, c'est cool d'arrêter ma... C'est le petit fouet tantôt, c'est juste pour nettoyer, ok? T'es bonne, ma belle! Oh wow, hey, j'ai hâte de te montrer ça, Ben, tu vas être contente! Je pensais pas que je l'ai réagi, évidemment! Moi non plus! On va s'échanger de place, mais ici, je vais aller de l'autre côté. Est-ce que tu me laisses m'installer? Regarde, là j'ai... C'est beau! C'est juste du plastique! C'est fini, après ça on s'en va à la maison. Tu vas lui montrer tes belles boucles d'oreilles. Ça forme. Est-ce que vous avez des collants brillants à la maison pour mettre sur la poupoule? Ben oui. Ça, tu vas pouvoir en mettre à ta poupoule aussi. Mmh. Oui. Ça va y mettre à ta poupoule aussi. Fait que là, je fais juste me préparer. Ça va être pareil. Tu as fini, ma belle? Tu as fini tes grandes? Tu veux être sur maman? Oui, oui. Oui, c'est correct. Tu peux faire un gros câlin à ta maman? C'est fini. Oui. Il est déjà là. Tu veux t'aller voir? Oui. T'aimes ça? T'es beau? Ça? T'es-tu contente? T'es pas sûre à cause que tu finis pas là. Tantôt, elle va se dire que c'est beau. C'est pas mal sûr. Non, c'est, je sais qu'elle aime ça. Est-ce que tu dis. Hey, j'en reviens pas, là, j'aurais pas pensé qu'elle serait aussi bonne. Ça me fait plaisir. Oh! T'as des très belles boucles d'oreilles, ça fait bien. Bien beau, t'as bien fait ça. Maintenant, c'est fini, on va à la maison. T'es donc bien bonne. On revient à la maison, Ben? Oui!
T'es contente de tes boucles d'oreilles? Oui. Oui? C'est la madame. C'est la madame? Oui. Elle a fait ça? Oui. Elle était gentille, hein? Oui. Bon. On s'en va où? À maison. À maison. Puis on attend qui? Ez. Tu vas-tu montrer tes oreilles à Ez? Oui. Ah, j'ai hâte moi aussi. T'as-tu hâte? Oui. Ah. Hey, viens, t'es bien. Viens ici. Viens. Ok, demain, il y a comme mon ami qui vient. Hein? Ok. Ben, elle a quelque chose de nouveau, puis il faut que tu devines c'est quoi. Dis-y pas, Ben. Dis-y pas. Okay. C'est quoi que t'as de nouveau? Regarde. Regarde Ben. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bébé. Hein? Bébé. Non, non, c'est pas un cadeau. Regarde. Non, faut que tu regardes Ben. Regarde Ben. Un bébé? Non. C'est un Barbie? Non, c'est pas un cadeau. Regarde dans le visage. Faut que tu regardes, Ben. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez Ben? Non. Ezekiel, tu vois pas? Regarde, Ben. Ses yeux, son nez, sa bouche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ça! C'est ça. Ça? C'est quoi ça? C'est Lulu? Non. Non. Hey boy, yes. Peut-être après ses oreilles? Ah! Elle a les oreilles percées! Comme maman! Ah! Ah! Non, faut pas y toucher, ok? C'est si petit! Ouais, ça pique! Elle a fait un trou dans son oreille! Elle était bonne! Très bonne! On est bien fiers de notre petite fille! Oui, elle a tellement mieux que je pensais! Vraiment! Elle a vraiment même si elle était gelée! Comme on disait tantôt, pour elle, c'est une grosse étape. Oui, puis le tape qu'elle avait mis, ça lui a fait mal, par exemple. Ouais, ouais. Pour qu'elle n'ait pas trouvé ça drôle, petit poulet. Ben, parce que ses cheveux, ils étaient collés un petit peu après. Ouais, mais c'est ça. Puis c'était la stress, l'anxiété. Ouais, puis pas juste ça, elle savait pas de qu'est-ce qu'elle. C'est ça, c'est ça. C'était l'inconnu. Tu sais, quand ça le tic. Ouais, c'est ça. Ça fait peur, là. C'est ça. Puis elle ne veut pas, elle doit sentir que pour nous, c'est comme. Tu sais, elle doit sentir le petit stress qu'on avait. Ça a vraiment bien été. Et maintenant? C'est le temps des shout-outs. Bon. Alors. Tu commences? Ouais. Vas-y. Mon shout-out va à Maya Larive qui dit trop belle et rayonnante les deux belles filles dans mon écran. Je vous aime trop. Vous êtes la best famille ever. Merci de me redonner le sourire et d'enlever les tabous. Hashtag Team V. Merci beaucoup pour ce bon message, Maya Larive. Trop chaud au cœur. Avec ton profil qui est écrit Maya. Genre avec le style d'écriture de Friends. En cas, je peux tu le sais. Oui, c'est ça que j'avais remarqué. Voilà. Moi, le mien, c'est Sabrina Provo, photographe. Excusez, j'avais de la misère à lire parce que ma femme a bougé le téléphone. Et elle dit, vous êtes tellement beau, tellement inspirant. Je souris chaque fois que je vois une notification pour une nouvelle vidéo. Vous m'inspirez tellement. Ayant moi-même deux enfants et ayant fait des fausses couches. Priscilla, je te comprends mille fois. Vous êtes une petite, belle petite famille que j'adore. Si un jour vous vient l'idée de rencontrer un couple ayant deux enfants, faites-moi signe. En attendant, je continue de regarder vos vidéos qui sont tellement une joie à regarder. Sabrina, merci pour ce beau message. Puis c'est vrai que Priscilla a fait un beau travail à enlever les tabous à propos de ça, les fausses couches. Merci beaucoup. Super merci. De beau message qui était d'ailleurs en dessous d'une de mes photos Instagram. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce qu'il y a des affaires qui s'en viennent. On est fatigués. On vous... Où est-ce que tu t'en allais avec ça? Je voulais leur dire ce qui allait arriver, mais j'en sais rien. Puis j'ai bugué. Vas-y. Ok. Alors, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié quand on poste des nouvelles vidéos. Mm-hmm. Parce que nous, on travaille sur de quoi de vraiment cool. Vous allez être impliqués dans tout ça. Bref, soyez à l'affût. Ça s'en vient. Dans quelques semaines, vous allez tout comprendre. Ouais, maximum quelques semaines. Même peut-être plus tôt. En tout cas, ça s'en vient. Ça s'en vient, là. On est comme dans les étapes de finalisation. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. On a vraiment trop hâte de tout vous partager ça. Donc, abonnez-vous. Activez la petite cloche parce que faut pas que vous manquiez ça. Non. Et, ben, c'est à peu près ça, là, pour l'instant. Ouais, c'est à peu près ça. Sinon, ben, on se laisse, puis on se laisse. Et on vous dit à bientôt. On vous revient bientôt.